Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le signe astrologique pour les taureaux. Alors, on va regarder ce qui se passe pour la première semaine pour vous, pour le mois de juin. J'ai trouvé quand même le temps pour faire justement les horoscopes. Alors, ici, dans la première semaine, ça va nous parler qu'il y a des choses, justement, vous aviez des envies que vous avez peut-être laissées de côté ici. Des choses un petit peu cachées. Il y a une réconciliation concernant l'équilibre. On me dit qu'un nouvel équilibre va être retrouvé dans la première semaine du mois de juin. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant et de concrétiser certaines choses. Peut-être un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Pour le moment, vous n'avez pas la possibilité, mais je pense qu'au fur et à mesure du tirage, on va nous donner plus d'éléments. Je pense que ça va, votre projet va aboutir, mais on va quand même regarder ce qui se passe dans la deuxième semaine. Deuxième semaine. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Exactement ça. Dans la deuxième semaine ici, j'espère que vous voyez bien les cartes. Dans la deuxième semaine, avec ces deux cartes ici, on nous dit que concernant l'évolution négative, la situation dans laquelle vous étiez, il va y avoir un changement ici. Vous allez couper avec cette chose qui ne vous apporte pas du bien-être. D'accord? Il y a des choses qui doivent prendre fin pour du meilleur. On va regarder avec la troisième semaine. C'est juste magnifique. C'est tout ce que je vous ai dit, on me le montre avec les cartes et je ne les ai pas regardées avant. Donc cette transformation ici, ce qu'on me dit, c'est que ça va vous laisser sans voix. Avec cette carte-là. Ça va être le bon moment dans la troisième semaine de juin de faire une coupure pour trouver un accord. Je vois quelque chose qui va vous mettre en joie dans la troisième semaine. Un accord, quelque chose qui va vous mettre en joie. On va regarder avec la quatrième semaine. On parle de quelque chose d'assez radical, hein, pour la quatrième semaine. Quelque chose d'assez radical, une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité, c'est comme, c'est quelque chose de brutal ce qui va vous arriver, mais brutal dans le bon sens. C'est vraiment quelque chose qui va vous changer. Il est peut-être notion ici, alors, pour certains, ça va nous parler de vacances, d'accord, de prendre du temps pour soi. Pour d'autres, on me dit que ça va être un juste retour d'équilibre concernant des choses du passé. Des choses négatives du passé, c'est quelque chose qui doit être rétabli. En carte synthèse, on m'a donné deux cartes. On me dit qu'il y aura pour vous, les taureaux, au mois de juin, il y aura une notion de route, de faire des déplacements, des choses assez inattendues, assez soudaines. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les énergies qui vont vous accompagner dans le mois de juin. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Puis pour ceux qui souhaitent avoir une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.